Je suis Grey, mais je suis le plus beau. Vous devez liker cette vidéo. C'est un ordre! Yeah, I'm always on the fuck shit. Always on that, I don't wanna talk and I don't love bitch. Fuck this, I don't even wanna fuck bitch. Suck dick, and the pistol make you run quick. Shit, yeah, I got a whole drum bitch. Got a hole in your little cunt, I'm a sus bitch. Tout le monde, c'est Green et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et attention, cette fois je vous présente encore un jeu mobile qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça en vrai. Et c'est un jeu qui a été fait par Crunchyroll tout simplement. Donc sur le thème de Overlord, franchement je crois que c'est le seul jeu Overlord qui existe. Enfin uniquement Overlord en fait, où c'est vraiment un jeu uniquement Overlord, je crois que c'est le seul qui existe. Et il est pas mal, en vrai il est pas mal, j'aime bien. J'ai découvert ça il y a une semaine et demie, franchement j'ai bien aimé, franchement j'aime bien, je kiffe pas mal. J'ai pas énormément joué, mais je kiffe bien, ouais. Les peu de fois où j'ai joué, j'aime bien. Ben, en fait, j'ai pas beaucoup joué parce que, bah, du coup, voilà, comme vous le savez, il y a les 5 ans, enfin, si vous le savez pas, en tout cas, il y a les 5 ans du jeu Bleach Brave Soul qui ont été fêtés, tout simplement, et là, pour l'occasion, dans quelques jours, il y aura un nouveau perso, au moins, pour les 5 ans. Donc voilà, je suis en train de farmer les orbes tout simplement depuis un petit moment pour essayer de faire une invocation. Là, pour vous dire, je suis à 800 orbes, je crois, 800 orbes et quelques. Donc c'est pas dégueulasse, c'est très bien. 800 orbes, c'est pas mal du tout. Et du coup, voilà pourquoi j'ai pas énormément joué à ce jeu, même si j'ai quand même bien joué. J'ai quand même bien joué, mais pas des masses, voilà. Enfin bon, bref, je vais pas m'éterniser sur le sujet, vous m'avez compris. Du coup sur cette vidéo je pense que je vais vous faire de toute façon que des invocations, parce qu'en fait c'est le truc le plus intéressant à chaque fois qu'on va faire sur ce genre de jeu en fait, parce qu'après le mode histoire ouais je sais pas, c'est un peu nul quand même de vous montrer le mode histoire, je sais pas, je crois qu'on va faire des invocations sur cette vidéo les gars et les filles bien sûr, mais non voilà ouais, du coup, vous allez voir, le système d'invocation, c'est différent. C'est très différent de ce qu'on voit sur le jeu Bleach Brave Soul. Enfin, au niveau des animations, je parle, c'est très 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 différent. Et puis dans... Ah oui, et un autre truc qui est très différent. Alors là, actuellement, voilà, je fais une transition dégueulasse. Donc, là, actuellement, on a une bannière, en fait, pour les personnages d'été. De toute façon, c'est comme ça sur la quasi-totalité des jeux mobiles. Et en général, les gens, ils se gavent. Bon, là, on le voit, ils se sont bien gavés sur les personnages. Bref. Non, en vrai, donc voilà. Là, on a un portail comme ça pour l'été. Après, on a des petits portails spéciaux, etc. à chaque fois. Bon, après, voilà, hein, c'est vraiment du classique, hein, de l'invocation classique avec des petits tickets, des trucs comme ça. Je sais plus ce que c'est, ça. Ouais, ça, c'est quand on t'aide les gens ils t'aident. Je sais plus, enfin bref. Des délires comme ça. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des invocations, tout simplement, sur ce portrait-là. Donc, voilà. Donc, vous allez voir, ouais, c'est très différent, du coup, comment je vais invoquer. Ah oui, donc, du coup, attendez, je reprends ce que je disais tout à l'heure. Ce que je veux dire, c'est que sur Bleach Brave Soul, en fait, quand on invoque... En gros, on a plusieurs catégories. On a les invocations uniquement de personnages et les invocations uniquement pour les objets. Et là, c'est pas pareil. Là, il y a les deux, sauf que dans les invocations de personnages, on peut avoir aussi... Ça s'appelle pas des objets, ça s'appelle des reliques du chaos, je crois. Et en gros, ça va aider à augmenter vos personnages, de les améliorer. Bref, je suis vraiment qu'au début du jeu, hein, donc je ne vous connais pas encore énormément. Reprenez-moi si vous connaissez le jeu depuis un certain temps et que bah, vous y connaissez mieux que moi. N'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires en soulignant ce que je me suis trompé et à donner le vrai nom ou la vraie explication par rapport à ce que moi j'ai voulu dire. Bref, du coup je vais pas vous faire attendre plus longtemps, on va commencer directement. Tac. Donc voilà, vous voyez, c'est avec des systèmes de cristaux, c'est exactement pareil que les orbes sur Bleach ou plein d'autres, tous les jeux, c'est comme ça, là c'est à base de cristaux. Donc voilà. Donc en gros, à chaque fois que je vais invoquer, le nombre de cristaux que je vais devoir avoir en fait pour invoquer une autre fois, ça va monter de 100, enfin la dernière fois que j'ai fait ça en tout cas ça a monté de 100 cristaux à chaque fois. Du coup là je commence à 100 cristaux.
Après ça monte à 200 et du coup... Ah ouais, mais attendez. Du coup ça voudrait dire là je peux faire que 2 invocations malheureusement. Ouais. Et ben au pire je vous fais deux trucs à 10 personnages et après je vous en fais plusieurs avec un seul personnage. Bref. On verra, on va improviser. De toute façon je compte pas faire une vidéo trop longue. Enfin, je disais le son il bug sa mère. Par contre le jeu ouais il est vachement bugué. Ok c'est bon. On a un perso 5 étoiles. On a un putain de perso 5 étoiles. Cucu. Eh ben écoute mon frère, je me souviens même plus de toi. Oh putain, fais chier. Oh. Non mais c'est bien une relique du chaos 5 étoiles, mais... Vas-y, je vais semer les personnages quand même. Ok. Ah, elle me fume, la tête d'Albedo, elle est incroyable cette image. Ok. Ah, c'est nul. Ah, c'est nul à chier. Attends, mais c'est quoi cette invocation là, vraiment? Ah, j'ai vu. Oh, oh ouais. Franchement, j'ai cru le 5 étoiles, c'est un personnage. Mais pas du tout. C'est un vieux truc de merde. C'est bon pour vous? Excusez-moi. Du coup... du coup, deuxième invocation. On est parti, les potes. Allez. Allez, s'il te plaît, mon frérot. Donne-moi un truc qui régale. Pas un truc claqué, s'il te plaît. Ok. Putain, c'est chaud d'avoir de la merde. Ah putain, ça m'énerve. Oh là là. Ah, c'est sale. Ah, c'est sale. Marshall dit Teach, dégage, dégage d'ici. Hey Teach, dégage. Bouge de là. Tu pues trop, mon frère. Attends. Attendez, ouais. Bon. Voilà, vous avez vu un peu le principe des évocations. Vous voyez ce que je voulais vous dire à chaque fois avec les chaos du relique et des persos. On a à chaque fois des. On avait de mélanger, du coup voilà, ça porte un peu à confusion, c'est dommage. Ils auraient dû faire deux catégories. Bah, comme. Ça y est, mais bref, je sais pas comment expliquer, c'est trop bizarre. Ouais, je pense, de toute façon, on avait compris. Donc, du coup. Bah là, du coup. Ah merde. Ah bah attendez. Ah ouais, bah du coup, je vais peut-être invoquer là-dessus. Ok. Ça c'est le portail classique. Vous savez quoi, on va faire le portail classique. J'ai dû faire deux singles. Je dois faire deux singles et après on va s'arrêter. Hein. Je suis désolé, la vidéo sera pas longue du tout. Hein. Ah ouais, elle va même être très courte mais bon. De la merde hein. Super bien bien nul. Ah quoique putain j'aime bien l'image, c'est l'image quand Albedo elle a son armure là. Ah, c'est pas mal, c'est stylé ça. Allez dernière, allez on y va. Franchement ça c'est incroyable d'avoir un personnage 5 étoiles sur une single, ça serait incroyable. Ah, je vous cache pas, ça serait ouf parce que comme dans tous les jeux, les singles c'est un taux de drop dégueulasse pour avoir un gros personnage. Et allez, on se fait encore baiser la gueule. Et allez, surtout pour Ninia, frère. T'es une bouche de là, t'es éclaté, frère. Il est nul. Oh là là. T'as joué de la merde. Attendez, ça fait combien de temps que je rec là? Putain, merde. Attendez, je vais voir combien de temps ça fait que je rec. Ah putain, je peux pas voir. Ah ta mère, ça me saoule. Bref. Eh ben écoutez. Est-ce que je ferais. Peut-être. Ouais, bon, allez, vous savez quoi? Je pense que la vidéo va être un peu trop courte si je fais ça. Du coup, on va aller. Ok. En mode histoire, du coup.
on va aller en mode histoire et puis voilà, je vais pas vous montrer comment ça se passe sinon hormis les invocations. Hein. Donc voilà, c'est avec des systèmes d'étoiles, un système classique hein, pour les jeux mobiles. Hop, tac. Donc voilà mon équipe. Sympatoche quoi. Elle, c'est une 5 étoiles. Hein, la Na. Je sais même plus comment ça s'appelle. Narbera, je crois, un truc comme ça. Ouais, Narbera, un truc comme ça. Bref. Vous avez... Bref, ceux qui connaissent Overlord, c'est bon, on me saoulait pas là. Hop. Du coup, voilà. On passe directement à la cinématique, ça sert à rien. Ouais, si vous me regardez par là, en fait, c'est parce que bah, j'ai ma Xbox d'allumée là. Je m'apprêtais à jouer à Pirate's Cut et au moment je me suis dit tiens attends pourquoi je ferais pas une petite vidéo comme ça pour faire découvrir le jeu Overlord aux gens, ouais ça peut être cool. Et du coup voilà, tout simplement. Bref. Donc voilà, du coup au moins vous êtes au courant, je vous le dis. Il y a une vidéo Bleach Brave Soul qui va arriver dans quelques jours, une semaine maximum. Donc ouais non voilà, ça fait plaisir, ça va régaler les gars. Hein. Et les filles, putain, à chaque fois je dis les gars. En fait, faut que j'arrête de dire ça. C'est pas possible. Bref. Ah, je one-shot plus. Ah, ça c'est chiant. Alors, je vous explique, jusqu'à présent, j'ai one-shot avec, bah, avec Narbera, tout simplement, qui est mon meilleur personnage actuellement. Avant, je one-shot. Je faisais que du one-shot. Et bah, plus maintenant. Après, en même temps, ils ont 5 kills PV, donc bon. C'est pas ouf. Allez. Alors, ah oui. Au niveau des attaques spéciales, on a du coup une attaque surpuissante. Je peux comment vous appeler ça. Une technique ultime. Voilà, on va dire ça comme ça. Une technique ultime. Donc, c'est. Non, ils appellent ça Overdrive, je crois. C'est la petite jauge orange. La petite jauge violette pour faire, vous voyez, des petites attaques spéciales comme il y a en bas à droite là. Lightning, Spell Stringen, Lightning Wing. Ça du coup c'est la petite jauge violette en fait, et le nombre de petits carrés qu'il y a, bah, c'est tout simplement le nombre que ça va enlever. Et du coup voilà, après il y a des attaques de zone, par exemple la Lightning Wing ça touche tous les ennemis. Lightning c'est pour toucher un seul ennemi, et après l'autre c'est pour se booster. Donc voilà, et après voilà du coup le overdrive il est tout en bas à gauche, vous voyez c'est le Lightning Serve. Du coup voilà, putain. Ah désolé. J'ai un truc chelou là, des fois ça me fait ça, je sais pas ce que c'est. Bref, donc voilà, vous voyez, je peux à chaque fois sélectionner mon personnage. Si je veux par exemple commencer, par exemple, en gros, je peux sélectionner ma cible, mon personnage. Enfin bref, je pense que vous comprenez un peu le délire. De toute façon, c'est pas même compliqué. Du coup, voilà, je vais montrer au moins quelques attaques spéciales quand même. On va lui faire ça. Tac. Tac. Et tac. Voilà, petite attaque spéciale. Les animations sont bien faites, là, je suis en vitesse assez rapide. Mais voilà, je vais baisser pour que vous puissiez voir pas mal. Oui, je trouve ça assez bien fait quand même. Graphiquement, il est pas mal le jeu, ouais. Graphiquement, il est pas mal du tout. C'est un truc que j'ai souligné dès le début, c'est que c'est vraiment pas dégueulasse. C'est le premier truc que j'ai marqué en jouant, et il est pas dégueulasse ce jeu. Très très bon. Graphiquement, il est très beau. Ouais! Je suis désolé. Donc un grand chapeau à Crunchyroll, hein, franchement pour le jeu. Un bon bravo, franchement c'est mérité. Ils ont fait un bon jeu. Je sais pas s'ils en ont fait beaucoup des jeux. Il me semble qu'ils en avaient déjà fait quelques-uns auparavant, mais je suis pas sûr. Et du coup là, hein, je pense quand même que c'est important de dire ce qu'on sait bien. Donc voilà, je dis clairement c'est un très bon jeu. Bien joué à Crunchyroll. Crunchyroll ou Crunchyroll, je sais même pas comment on dit, je sais même pas si. Je sais pas la prononciation exacte. Voilà, j'ai dit Crunchyroll, je suis désolé. J'espère que ça ne dérangera pas certains. Bref, je pense que ça va être la dernière mission, après on va s'arrêter là parce que ça va être long sinon. Et puis voilà. Hein. Enfin bon, bref. Hop, ouais, avec une attaque tranquille. C'est suffisant, surtout qu'il est tout seul. Et voilà. Voilà, il y a un mode automatique aussi, comme vous avez vu en haut à droite. Après, il y a les paramètres juste à côté. Encore à côté, du coup, à gauche, c'est pour doubler la vitesse. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure.
Ah oui, après aussi les... Tac, voilà. Hop, si je descends un peu la cam, maintenant vous allez pouvoir voir. Voilà, vous voyez le petit schéma là avec le triangle avec les petites boules et ouais, enfin les deux petites boules comme ça là. Ça c'est les avantages et les enfin ce qui est puissant et moins puissant, je sais pas ce que. Bref, en gros, par exemple le violet est efficace contre le jaune, mais le jaune est efficace contre le violet. Le vert est efficace contre le rouge. Non, le vert est efficace contre le bleu contre le rouge et le rouge contre le vert. Bref, c'est un peu la galère à expliquer comme ça. Non, même pas en fait, c'est même pas que c'est galère. Bref, vous avez compris, c'est bon. Putain, je m'en mets un point. Donc voilà, après vous pouvez désactiver l'overdrive, l'animation, les choses comme ça. Bon, j'ai touché à rien, geste comme ça, c'est très bien. Et du coup, voilà. On va continuer, du coup, on va leur péter la gueule. Hop, ça, ça dégage. Tac. Oh, oh. Ah, j'ai le Nekin Pig, j'en ai éternué, mais ça sort pas, tu sais. Ah, quand ça fait ça, là. Ah, ah c'est horrible. Ah, je suis pour les pour la tête que je tiens là. Ok. Je disais c'est que j'arrête pas beaucoup le retour de la caméra en fait. En fait j'arrête toujours mon écran donc du coup ça fait que j'arrête pas forcément le retour de la caméra, je suis désolé. Le problème c'est que je sais pas quoi trop dire en fait pour commenter le jeu. C'est un peu un problème. Donc bon. Donc là c'est les derniers ennemis à battre quoi. Ah il y a un système de tours aussi. Comme vous venez de voir du coup là par exemple je suis au 5ème tour. Tac. Ouah j'ai pas vu, il était dans le mal lui. Oh, oh. Oh il était à deux doigts de mourir le con. Et c'est du 4 étoiles hein. On n'est pas sur des gros persos avec lui donc voilà. Hein. On le pardonne. Les deux là on les pardonne. C'est des 4 étoiles. Donc voilà hein. Je pense qu'on va se laisser là-dessus les gens. C'était une vidéo pas trop longue. Mais c'est pas mal aussi des fois des vidéos assez courtes comme ça, c'est cool. Ça permet de discuter, de vous donner un peu des infos sur ce qui va arriver, etc. Donc non, franchement, je suis content. Ah oui, et d'ailleurs, merci hein, pour tous les retours que vous m'avez fait pour mes deux dernières vidéos. Où je sais plus, il y en a une exactement où j'ai eu pas mal de bons retours. Donc merci encore. C'était pour un MVM. Après, c'était lequel? Attendez. Non, c'était... Non, ouais, non, c'est ça. C'est le dernier AMV que j'ai fait. Donc, non, mon avant-dernier AMV, pardon. Non, mon avant-dernier AMV. Parce qu'il y a eu un AMV avant, il y a eu mon top. Et après, et encore avant, il y a eu l'AMV dont je vous parle là actuellement. Merci pour le temps que vous avez fait sur cet AMV. C'était l'AMV. Bah, un AMV en fait avec plein d'animés tout simplement. Que j'avais mis comme ça avec une petite musique pour essayer de mettre en rythme. Il y a eu pas mal de personnes qui ont aimé. Donc, merci à vous. Merci pour les bons commentaires que j'ai eus et voilà, j'espère que je continuerai à vous faire kiffer tout simplement de cette manière et puis voilà quoi. J'espère tout simplement que ça va continuer ainsi, ça serait cool. Bref, sur ce, moi les gens, bah on va se laisser là-dessus tout simplement et puis bah, je vous dis à la prochaine hein. Et portez-vous bien. Je suis désolé, cette vidéo, je vous dis, cette vidéo, je l'ai faite complètement sur un coup de tête. Genre comme ça, tag, j'ai lancé ma partie, là, je vais... attendez, vous savez que j'ai le jeu Overland, pourquoi pas en faire une petite vidéo? Hop là. Et du coup, j'ai lancé comme ça, j'ai rien préparé, rien, absolument rien. Donc du coup, là, je suis désolé pour l'outro, je sais même pas quoi dire. Bref, voilà, on va cesser là-dessus, parce que après, ça va être trop long, je vais dire n'importe quoi. Du coup, je vous dis à la prochaine, pour la prochaine vidéo, tout simplement. Ça sera peut-être du Bleach, ou il y aura peut-être des vidéos avant. Enfin, du Bleach Brave Soul, je précise. Soit il y aura peut-être des vidéos avant, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, voilà, dans pas très longtemps, il y a d'autres vidéos qui arrivent, donc voilà. Donc moi, sur ce, je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien. Allez, salut tout le monde!